Bonjour, c'est le troisième match de notre grande rencontre du Club des Ingénus en première année. Et nos belles équipes en forme aujourd'hui, Notre-Dame de Fatima de Landrienne avec Louane. Bonjour Louane. Salut. Bonjour Benjamin. Salut. Bonjour Arthur. Bonjour. Et bonjour Aurélie. Ça va bien? Oui. Ben, tant mieux parce que vous allez jouer avec nos amis de Papillon d'Or de Val-d'Or avec Paul. Bonjour Paul. Bonjour Édouard. Bonjour Béatrice. Et bonjour Léo. Vous êtes en forme aussi? Oui, tant mieux. Louane, tu choisis entre corps humain, sport ou sécurité dans les loisirs? Sport. Sport, c'est collectif, tout le monde joue, on y va. Quel sport se pratique avec un bâton et une balle? Pour Arthur. Golf. Le golf, c'est bon. On avait le baseball, la balle, le hockey, cosum, entre autres. Deuxième question. Quel autre nom donnes-tu au tennis de table? Arthur. Ping-pong. Oui, le ping-pong, c'est bon. Troisième, au tennis, quel nom porte le bâton muni d'un filet tressé servant à frapper? Oui, Léo. Une raquette. Pour frapper la balle, c'est une raquette, c'est bon. Et quatrième, là c'est plus long la question. Comment s'appelle le joueur de hockey sur glace qui défend le but de son équipe en bloquant les rondelles lancées vers lui pour les empêcher d'y entrer? Arthur. Soit un goaler ou un gardien de but. Qu'est-ce que t'aimes mieux? Goaler. Bien, c'est gardien de but que j'aime mieux, moi. Parce que goaler, c'est en anglais. Mais au moins, tu parles anglais, c'est bon. Fait que c'est un gardien de but, c'est bon. Paul, tu choisis maintenant entre sécurité dans les loisirs ou corps humain? C'est un vis-à-vis. Donc, la première question s'adresse à Louane et Paul. Juste pour vous deux. OK? Hey, peux-tu vous demander d'arrêter de gigoter? OK, c'est parce qu'on entend des bruits bizarres. Alors, Paul et Louane. Encore humain. Quelle partie du corps s'appelle aussi le pédon? Louane. Le ventre. Le ventre, c'est bon. Édouard et Benjamin. Qu'est-ce qui relie notre tête à nos épaules? Benjamin. Le cou. Oui, d'habitude, c'est ça. Béatrice et Arthur. Comment s'appelle la partie de la figure située entre les sourcils et les cheveux? Arthur? Le front. Oui. Et Aurélie? Comment s'appelle la plus grosse dent? Et Aurélie et Léo, c'est-à-dire pour vous deux, comment s'appelle la plus grosse de nos dents ou les plus grosses de nos dents? Aurélie? Une dent d'adulte. Et non, pas tout à fait. Léo? C'est la molaire. C'est la dent qu'on a dans le fond. Les adultes en ont aussi, là, mais elle avait un nom spécial. Il nous reste sécurité dans les loisirs. Tout le monde joue. Pourquoi ne dois-tu pas sauter de la balançoire quand elle est encore en mouvement? Arthur? Parce que tu peux te casser une jambe ou te casser quelque chose, te blesser. Oui. Ou peut-être tu peux blesser quelqu'un d'autre si tu atterris sur quelqu'un d'autre. C'est bon. Deuxième, pourquoi n'est-il pas sécuritaire de plonger dans une piscine de moins d'un mètre 45? Arthur? Parce que tu peux aller fort. Tu peux... Oui, parce que tu peux aller fesser dans le fond. Bien, ta tête, tu peux aller... Peut-être dans le fond de la piscine, ouais. C'est pas confortable non plus. T'as raison, c'est bon. Et troisième, pourquoi n'est-il pas sécuritaire d'aller dans un tunnel fait en neige? Arthur? Parce que tu peux tomber sur toi. Qui ça? Le tunnel. Ah oui, OK. Oui, c'est bon, il peut s'effondrer. C'est vrai. Et pour la prochaine question, il y a un choix de réponse. Vous écoutez le choix de réponse si vous voulez. L'été, dans quelles conditions est-il dangereux de se baigner quand il fait chaud? Oui, Édouard? Quand est-ce que c'est dangereux de se baigner en été? Non, ça ne sera pas ça. Fait que pour l'équipe de Notre-Dame de Fatima... Ah, Arthur, vas-y. Quand il y a une... quand il y a des éclairs. Exact. Quand il y a un orage, ça faisait partie du choix. Quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il y a un orage ou quand il pleut. Et ce qu'on voulait, c'est quand il y a un orage, c'est correct. On a des petits changements qui apparaissent dans nos équipes. Alors, pour Papillon d'Or, on dit bonjour à Mathias. Bonjour, Mathias. Bonjour. Mathias, bonjour, ça va bien? Oui, tant mieux.
Et c'est la même chose pour Jasmin. Bienvenue, Jasmin. Ça va bien aussi? Oui, parfait. Et on va aller voir Paul maintenant pour choisir entre les thèmes suivants. Français, oiseau, objet ou la belle et la bête. Français, c'est le rachat. Je commence avec Louane et le pointage après le premier bloc. On a 10 points pour Notre-Dame de Fatima et aucun point pour le papillon d'or. Alors, on va se reprendre de ce coup-ci. Mais là, on commence avec Louane. 2 points pour une bonne réponse et 1 point pour le rachat dans l'équipe si nécessaire. Louane épelle le mot abeille. A. B. A. I. Continue. Non, rachat dans l'équipe. Quelqu'un peut épeler abeille, Arthur? A. B. E. I. L. L. E. Oui, c'est bon, pour un point. Benjamin, quel est le contraire de haut? Chose qui est haut. Le contraire de ça, bas. C'est quoi? Bas, c'est bon pour 2 points. Arthur, quel est le féminin de bœuf? Quelle est la femelle du bœuf? Réponse? Rachat dans l'équipe? Quelqu'un le sait? Vous s'asseyez? C'est vache. Le bœuf et la vache. Et Jasmin épelle le pluriel de cheveux. Cheveux sur la tête, épelle le pluriel de ça. Je ne sais même pas si c'est quoi ce mot. OK. Alors, quelqu'un peut s'essayer? Oui, Benjamin? U-N. Non. C'était le pluriel de cheveux, c'était cheveux, C-H-E-V-E-U, avec un X. On va aller voir Paul maintenant, 2 points pour une bonne réponse. Quel est le masculin de truie? Une truie. Le masculin, c'est quoi? Ou le mâle de la truie? Rachat dans l'équipe. Quelqu'un essaye? Oui, Mathias? Non, c'est pas la truite. C'est plutôt un cochon. Fait que la truie, c'est la femelle du cochon, du porc. C'est ça. Pour Édouard, épelle le pluriel du mot oiseau. Oui, c'est bon, avec un X bien convaincu. C'est bon, mais c'est correct. Béatrice, quel est le contraire de froid? Oui, c'est bon pour 2 points. Mathias, épelle le mot insecte. I-N-S-E-A-I. Non, on va aller voir quelqu'un en réplique ou en rachat plutôt dans l'équipe. Quelqu'un peut épeler insecte. Oui, Édouard? Non, c'est un S. I-N-S-E-C-T-E. Insecte. Louane, tu choisis maintenant entre oiseau, objet ou la belle et la bête? La belle et la bête? La belle et la bête, c'est le chassé croisé. Fait que Louane et Mathias, première question pour vous deux seulement. Okay. Dans le conte, quel est le métier du père de la belle? Ça vient pas? C'était un marchand. Benjamin et Béatrice. Benjamin, torse-toi un petit peu. Ouais, parfait. Benjamin et Béatrice, pour vous deux seulement. Dans quelle sorte de maison vit la bête? Oui, Benjamin? Dans un château. Oui, c'est bon, dans un château. Arthur et Édouard, qui est en réalité la bête? Pour Édouard? Un mec qui s'est transformé en la bête. Non, on va aller voir Arthur. Un prince? Oui, c'est un beau prince en plus. C'est pas un prince ordinaire. Un beau prince. C'est bon. C'est... Jasmin et Paul. Qui a transformé la bête en monstre hideux?
en monstre très laid. Qui a transformé le monsieur bête? C'est une méchante fée ou une sorcière. Paul, est-ce qu'on va parler de oiseau ou objet? Oiseau, c'est collectif, OK? Tout le monde prend sa manette, on y va. Qu'utilise le colibri ou l'oiseau-mouche pour aller puiser le nectar au fond de la fleur? Pour Edouard? Son bec? Oui, un grand bec, c'est bon. Deuxième, quel oiseau exotique est capable de reproduire des sons et des mots? Edouard? Oui, le perroquet, c'est bon. Là, le prochain, il y a un choix de réponse. Lequel des oiseaux suivants possède un bec portant une poche extensible pour emmagasiner la nourriture des jeunes? Arthur? Pélican. Oui, il faisait partie des choix. Il y avait l'hermouette, le héron ou le pélican. C'est bon. Et quel oiseau utilisait-on pour envoyer des messages pendant la guerre? Arthur? Cigogne. Non, c'était pas la cigogne. Avez-vous une autre suggestion, papillon d'or? Oui, Paul? Non, c'était des pigeons voyageurs. Ils attachaient des messages après une patte. Et il nous reste une catégorie, objet. Alors, c'est une identification. Fait que je vous donne un indice. Si vous l'avez tout de suite, c'est 4 points. Puis on baisse de pointage au fur et à mesure que je donne des indices. Tout le monde joue. Dans certains pays, on se sert de ce mot en parlant de l'âge d'une personne. Arthur. Des ans? Et non, c'est pas ça. Réplique. Oui, Paul. C'est pas des chiffres non plus. Pour 3 points, c'est une lame, la même chose, c'est le même mot, mais qui représente aussi une lame en caoutchouc d'un essuie-glace sur une auto. Pour 2 points, c'est le moyen de transport des sorcières. Arthur? Balai. Oui, un balai. Et c'est un ustensile de ménage composé d'un manche et d'une brosse servant à nettoyer le sol, un balai. Et c'est ça qui met un terme à notre troisième match du Club des ingénues en première année. Et si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous, 819-732-3221 au poste 1-3370. Et on va vous aider à installer le Club des ingénieux. Faites la promotion des connaissances générales dans votre école. Pointage final maintenant. 6 points pour Papillon d'or et 18 points pour Landrienne. Félicitations les joueurs. Merci chez vous. Là, on va reprendre les applaudissements. Qu'est-ce que ici? Merci beaucoup. Bonjour, c'est notre quatrième match de cette belle rencontre du Club des ingénieurs en première année. Et nos belles équipes aujourd'hui sont Papillon d'or de Val-d'Or avec Maverick. Bonjour Maverick. Allô. Bonjour Félix. Allô. Bonjour Mirko. Salut. Et bonjour Mégane. Allô. Vous allez bien? Oui. Oui, tant mieux. Et vous allez jouer avec vos amis de Val-d'Or, de Notre-Dame de Fatima, avec Yasmine. Bonjour Yasmine. Allô. Bonjour Elliot. Allô. Bonjour Zach. Allô. Et bonjour Jade. Allô. Vous allez bien aussi? Oui. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Maverick, tu choisis entre sécurité en marchant, mathématiques ou bande dessinée. Sécurité en marchant. Allons-y avec un vis-à-vis. Alors, on commence avec Maverick et Yasmine. Juste pour vous deux, la première question. Les autres, on va les prendre après. Alors, pour vous deux, que signifie le rouge sur un feu de circulation? Quand le feu de circulation est rouge, on fait quoi? Pour Maverick? Arrêtez. Oui, on arrête. C'est bon. Pour Félix et Elliot. Salut, Elliot. Non, mais c'est juste que aussi, notre réponse, ça peut être que aussi on peut virer par à droite ou on arrête. Oui.
T'as raison. Mais là, c'est parce que c'est en marchant. On vient pas à droite en marchant. OK. OK, on est rendu à Félix et Elliot. Pour vous deux, il y a un choix de réponse. Ça veut dire que vous pouvez attendre que j'aie fini de parler, oui, c'est ça, avant de répondre, si vous voulez. Parmi les personnes suivantes, quelles sont celles qui auront priorité de passage lorsque le feu est vert? Est-ce que c'est les cyclistes, les automobilistes, les piétons ou les personnes âgées? Pour Elia? Les automobiles. Non, réplique. Félix? Les vélos? Non plus, c'est les piétons. Les piétons ont toujours priorité. Ça paraît que ton père ne le fait pas souvent. C'est comme ça qu'on s'en aperçoit. Pour Mirko et Zach, quelles sont les trois choses que tu dois faire avant de traverser une rue? Zach? Regarder des deux côtés. Ouais, puis après ça? Non, Mirko? As-tu quelque chose à dire? OK, il fallait arrêter d'abord, regarder de deux côtés, bien sûr, et écouter. Alors ça, c'est des choses avant de traverser. Et pour Mégane et Jade, au travers de piétons, que signifie une silhouette blanche qui clignote? Pour Jade? C'est qu'on peut avancer, mais il nous reste pas beaucoup de temps. Exactement, c'est ce qui est écrit. Faut que tu te dépêches. C'est bon. Allez, c'est Yasmine maintenant qui choisit entre mathématiques ou bande dessinée. Bande dessinée. Collectif. Tout le monde prend sa manette. On joue. Qui sont les petits êtres bleus qui sont toujours heureux? Mirko. Les schtroumpfs. Oui, c'est bon. Deuxième. Mais ils sont pas trop Quel heureux. Héros tire plus vite que son ombre? Oui, Jade. Dessine-la. Non. Non, non, non. C'est qui la réponse? Comment il s'appelle? Peter Pan. Non, c'est pas Peter Pan. Réplique pour l'autre équipe. Mirko? Lucky Luke. Oui, c'est Lucky Luke. Troisième. Quel personnage de bande dessinée se promène toujours avec un menhir? Un menhir, c'est une grande roche. Longue roche pesante. Pour c'est Elliot? Obélix? Oui, c'est lui, Obélix. Et quatrième, quelle famille de dessins animés vit à l'âge de la préhistoire? Pour Zach? Jésus? Non. Réplique? C'est les pierres à feu, ou les Flintstones, si vous les écoutez en anglais. Il nous reste mathématiques. Tout le monde joue. Ce sont des collectives. J'ai 50 sous et je n'ai que deux pièces. Quelles sont les pièces que j'ai? Pour Elia? Des 10? Non. Réplique pour les papillons d'or? J'ai 25 sous. 50 sous, j'en ai juste deux. Il faut que ce soit des 25 sous. Calcul et attends le signe égal pour répondre. 8 plus 5 égale. Yasmine? 11. Non, réplique. Réplique pour papillon d'or. Quelqu'un répond. Félix? 14. Non plus, on va aller à 13. 8 plus 5, 13. Pour le numéro 3, plutôt, j'ai 30 sous et je n'ai que 3 pièces. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 30 cents ou 30 sous et j'ai 3 pièces. Quelles sont les pièces que j'ai? Mirko? 10 $. Oh non, tic. Pour Eliott? Des 5? Non, c'est des 10 sous. J'ai 30 sous, je peux pas avoir des 10 $. Et la dernière, calcul et attends le signe égal pour répondre. 7 moins 4 égale. Pour Mirko? 3. Oui, c'est bon. On va calculer déjà notre premier résultat parce qu'on vient de terminer le premier bloc et on va commencer le deuxième bloc avec Yasmine qui choisit entre fruits et légumes, jouets, transport ou français. Jouet. Jouet.
Ce sont des collectives. Alors, tout le monde joue, on est prêt? Concentration pour les jouets. Quel est le nom de l'ami de Barbie? Yasmine. Ken. Ken, c'est bon. Deuxième. C'est un jeu à plusieurs pièces de différentes couleurs à assembler pour faire des châteaux, mettons. Pour Mirko? Des blocs Lego. Oui, monsieur. Troisième. Si on te parle de Matchbox ou de Hot Wheels, de quoi parle-t-on? Félix? Des autos. Oui, des petites autos, c'est bon. Et quatrième, je suis un matériau malléable utilisé pour créer des formes et je peux être plein de couleurs différentes et d'odeurs. Un matériau malléable, Elliot? Des crayons? Non, c'est pas des crayons. C'est plutôt de la pâte à modeler. Et pendant le premier bloc, vous avez fait des points. C'était 2 pour Notre-Dame de Fatima et 4 pour Papillon d'or. Et on continue avec Maverick, qui continue à choisir quelque chose entre transport français ou fruits et légumes. Les légumes. On y va avec un rachat. Rachat, Maverick, tu te donnes 2 points pour une bonne réponse ou 1 point pour quelqu'un dans ton équipe pour te racheter s'il y a une erreur. Quel autre nom donne-t-on à la pastèque? Oui. Melon d'eau, c'est bon pour 2 points. Félix, qu'enlève-t-on aux légumes, par exemple, ou à une pomme de terre, mettons, là, avant de les faire cuire? Qu'est-ce qu'on enlève à une pomme de terre avant de la faire cuire? Non, rachat dans l'équipe, pardon? On la nettoie. On la nettoie, non, c'est pas ça. Maverick? On l'épluche. Oui, on l'épluche, on enlève la pelure. C'est bon. Mirko, ça, c'est bon pour 1 point. Comment désigne-t-on un groupe de raisins assemblés sur une tige? Ah, ça vient-tu? Rachat dans l'équipe? Quelqu'un essaye quelque chose? C'est une grappe de raisins. Et pour Mégane? Quels légumes peuvent se retrouver dans les bois, mais certains peuvent nous empoisonner? Champignons. Champignons, c'est bon pour 2 points. Yasmine, maintenant, même chose. Quel est l'aliment préféré de Jeannot Lapin? Quel est l'aliment préféré de Jeannot Lapin? Oui. Oui. On voit bien que tu connais Jeannot Lapin personnellement. Oui. C'est la carotte, c'est bon. Deuxième. Durant quelle saison récoltons-nous dans les champs les fraises et les bleuets? À l'été. Oui, c'est bon pour 2 points. Zach, comment nomme-t-on la partie d'une plante ou d'une fleur qui se trouve dans la terre? Tige. Non, rachat dans l'équipe. Pour Elliot? C'est les racines. Oui, racines. Et pour Jade, quel mot désigne un champ de pommiers? Non? Rachat dans l'équipe? Quelqu'un le sait? Vas-y, Yasmine. C'est un verger. Un verger, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pommiers, par exemple. Il nous reste Yasmine qui choisit entre transport et français. Français, chassé-croisé. Donc, Maverick et Jade, c'est pour vous deux seulement. Maverick et Jade, allons-y. En français. Quel est le contraire de rapide? Pour Jade? Lent. Lent, c'est bon. Félix et Zach. Quel est le féminin de directeur? Réponse? Pour Félix? Directrice. Oui, directrice. Mirko et Elliot. Quel est le pluriel du mot cheval? Pour Elliot? Chevaux. Oui. Et pour Megan et Yasmine, quelle est la femelle du cheval? Yasmine? C'est
toilette? Non. Oui. Mégane? C'est une jument. Et là, pour l'association, vous devez associer l'image à son nom. Alors, on a mis quelques images de moyens de transport et vous devez faire une ligne, une belle ligne propre entre le dessin et son nom. OK, vous mettez la feuille entre Eliott et Zach, entre Félix et Mirko. Et on y va. On fait des lignes entre l'image et son nom. Des belles lignes. Avion. Il y en a un qui n'a pas de nom, vous devez l'écrire. On a fini. Tout le monde a fini déjà? OK, on va les ramasser. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait en haut, c'était quoi? Avion. Le deuxième? Automobile. Et le troisième? Train ou locomotive, c'est bon. Alors, nos juges vont corriger tout ça et nous donner les pointages. Et si jamais ça vous tente de vous joindre à nous au Club des ingénieux, n'importe où en Abitibi-Témiscamingue, Nord du Québec, on fait la promotion des connaissances générales au primaire. 819-732-3221 au poste 13370. L'association maintenant, tout le monde a eu 3 points. Félicitations. Et là, on va calculer le pointage final. Le pointage final maintenant, partie très serrée. Félicitations aux deux équipes. Notre-Dame de Fatima, 13 points et Papillon d'Or, 15 points. Bravo les jeunes. Bravo.